nous nous situons dans un carrefour entre une cité de banlieue, qui était la plus grande cité de Dijon, et le plus grand campus universitaire d'Europe. Et ce coin fait trait d'union et rassemble les deux publics, à la fois le public des jeunes du quartier et les jeunes de la fac, les retrouver ici pour des animations. Je crois qu'on ne peut pas trouver tout ça, c'est nul par ailleurs. Moi, j'y étais souvent quand j'étais gamine, donc moi je suis bien. Ça se passe bien, c'est convivial. Puis c'est plaisant pour les jeunes, quoi. Ils s'éclatent, c'est un lieu où ils peuvent se défouler. On nous a promis pendant des années plusieurs municipalités qui sont succédées, de pouvoir changer, transformer un peu le quartier. Et puis enfin, on a un beau bijou, on a un bel outil de travail. Ah, ça a énormément changé. Ça donne un coup de neuf, quoi. Donc c'est plus éclairé. Maintenant, c'est beaucoup plus agréable. Dès qu'on rentre ici, c'est vrai que ça nous change la vie, ne serait-ce que même le sol. Pour le badminton, le sol a l'air super. On n'a pas encore testé, mais on a hâte. On attend de voir, quoi, forcément, comment les usagers vont l'utiliser.